Je vais donner la parole à Hakim Haddad. Donc Hakim, qui est ex-secrétaire général de Rassemblement Action Jeunesse, donc RAJ. Merci. Bonjour. Salam alaikum. RAJ, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que tout le monde n'est pas obligé de connaître toutes les associations, c'est une association qui est active en Algérie, principalement dans le champ de la jeunesse, sur les questions de démocratie, de justice sociale, de droits humains de manière générale, et non pas seulement des droits de l'homme, avec petit H ou grand H, mais ça reste homme. On ne part jamais de chez soi, jamais, à mon avis, de gaieté de cœur. On part de chez soi parce qu'on a mal quelque part. On part de chez soi parce qu'il y a une mal-vie. On ne part pas de chez soi pour juste aller faire des milliers de kilomètres, en particulier pour ceux qui traversent, et ils sont nombreux, le désert, le Sahara. Je ne vais pas revenir sur les questions des différentes traversées, de traverser également la mer Méditerranée et d'essayer d'arriver vivant, pour, juste pour le plaisir. La question de la vision et de l'approche que vous avez, ou quand beaucoup de gens ici, elle est plutôt humanitaire, elle est plutôt de solidarité. La question est d'abord politique avant d'être humanitaire ou d'être se traiter sous forme de solidarité d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, aussi important soit le combat qui est mené sous la forme de solidarité ou sous la forme de l'humanisme que vous pouvez mener ici. Les régimes en place font ou ne font pas des politiques qui font que ces citoyens-là, que les citoyens de ces différents pays ou de ce continent ne se sentent pas dans leur peau, ne se sentent avec aucun avenir et légitimement cherchent un avenir meilleur dans d'autres pays et s'il le faut sur un autre continent. Il faut appeler un chat, ce sont pour la plupart d'entre nous, des pays où nous vivons, y compris pour l'Algérie, je le dis et j'assume, des dictatures. Si les gouvernants dans nos pays à nous sont encore en place depuis 50 ans pour certains, c'est aussi parce qu'il y a le silence et la responsabilité et le soutien des gouvernants du Nord. Et la meilleure phrase, à mon avis, qui symbolise, même si ça a été peut-être pour elle, ça lui a échappé, etc., mais qui est très symbolique et très représentative, sans vouloir blesser qui que ce soit, représentative des politiques européennes, c'est la phrase de vous en rappeler sûrement, en tout cas pour les Français, la phrase d'Ali Omari, qui en pleine révolution tunisienne a à l'Assemblée nationale française dans les questions au gouvernement répondu, je crois que ce ne sera pas mot par mot, mais notre effort est fourni, la France fournit son effort en entraînant les polices et les forces de maintien de l'ordre, entre guillemets, en Tunisie, et voilà l'effort à quel effort participe la France. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, elle a lâché ouvertement ce qui est la réalité, donc le soutien au régime et le soutien également aux différentes politiques de répression que nous subissons dans nos pays.